Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie. Et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil, des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens. Debout, vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied, en secret, dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent, à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté, pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier. Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Ils ne pouvaient pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Dites Émilie, à 12 ans maintenant,
Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout où elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées aux enfants qui les passent, ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol.